On se reconnecte à l'info. Le journal de 19h, il vous est présenté par Linda Hamad. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Radial, bonsoir à tous. Cette réunion du gouvernement consacrée notamment au lancement du dispositif relatif à l'auto-entrepreneuriat ou encore à l'octroi du foncier économique. Des travaux entamés par un rappel d'exécution au plus vite des décisions prises par le président de la République. Le caractère social de l'État contenu est maintenu dans la loi de finances 2024. On s'intéresse ce soir au budget alloué au secteur de la santé et la vie des professionnels. Pluie et neige à l'est du pays, l'alerte météo a été prolongée jusqu'à demain. Nous ferons le point avec la protection civile qui a eu à intervenir de nombreuses fois ces dernières 24 heures dans quelques régions. Et puis la page spéciale Palestine, la pause humanitaire qui devrait intervenir demain, très attendue par les Razaouis qui ont besoin de respirer après 47 jours de bombardement. Pour commencer, on rappelle ce soir les moments forts de la visite du président turc en Algérie, Recep Tayyip Erdogan et son homologue Abdelmadjid Tebboune, qui ont décidé de renforcer davantage leurs relations économiques et commerciales entre les deux pays. De nombreux accords et mémorandums ont été signés à l'occasion et de nouveaux projets d'investissement ont été lancés à Erim Bouradoum. Le groupe turc Tosyali lance un investissement important. Le coût financier de ce projet est de 1,7 milliard de dollars pour la production d'acier plat à Oran, ce qui va permettre de créer près de 2500 postes d'emploi, ainsi que des projets dans le secteur du transport et le renforcement des infrastructures ferroviaires. En ce qui concerne la coopération dans le secteur de l'énergie, l'Algérie et la Turquie se sont lancés en 2021 dans un projet commun dans le domaine pétrochimique, à travers l'installation d'une usine dans le sud de la Turquie. Il est question aussi de consolider la coopération dans le secteur financier. D'ailleurs, le président turc l'avait annoncé hier. L'ambition de son pays est d'installer des banques turques en Algérie, à l'exemple de la Banque de l'agriculture, pour accompagner les acteurs économiques des deux pays et booster davantage les investissements. Il y a eu aussi cet accord qui a été signé entre Sonatrach et la société turque BOTAS. Il porte sur la vente et l'achat de gaz naturel liquéfié destiné au marché turc. Il s'étend sur une durée de 3 années. Ceci pour le volet économique. Pour ce qui est du politique, les deux pays, vous le savez, convergent sur de nombreuses questions internationales, notamment la question palestinienne, Ibti El Haddoun. L'Algérie et la Turquie, autant que puissance régionale, ont un poids important sur les dossiers du Moyen-Orient, notamment celui de la Palestine. La convergence de vues entre les deux pays impulse une dynamique importante dans la région. Bedi Srinissa, expert en relations internationales. Une volonté et action commune ferme et sincère a été logiquement, pour moi, mise en exergue lors de l'entrevue des deux présidents, avec une dimension assez pragmatique et surtout bienveillante, comme pour rappeler la nécessité de se dresser collectivement et efficacement contre le projet pernicieux de l'entité sioniste relatif au peuple palestinien, en bafouant toutes les règles plus élémentaires et surtout les droits internationaux. Un génocide décrié avec assistance et fermeté par les deux chefs d'État qui voient la profondeur et solidité de leurs relations bilatérales. La Turquie, autant que cinquième puissance de l'OTAN, représente un allié stratégique de taille avec une influence significative, d'où l'importance de l'axe Alger-Ankara dans le paysage politique régional. Bedi Srinissa. Un allié stratégique, véritable puissance régionale et internationale, va grandement contribuer dans la quête de nos deux pays être un élément factuel et surtout un curseur géopolitique d'action efficace mais surtout pérenne. Cela également renforcera davantage le travail et l'acheminement diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale et son rôle à différents niveaux. La coordination entre les deux pays est primordiale, notamment sur le génocide dont est victime le peuple palestinien. D'ailleurs, les deux dirigeants sont d'accord pour poursuivre les responsables de cette agression barbare. Sur la Palestine, on y reviendra bien évidemment avec les derniers développements. Mais avant, ce déplacement du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Oyala, en Guinée équatoriale, pour représenter le président de la République au 5e sommet du groupe des 6, des 10 de l'Union africaine, prévu pour ce vendredi. Et il y aura demain ce forum économique algéro-saoudien, prévu en Arabie saoudite. Nouvelle réunion du gouvernement ce mercredi. Dès l'entame des travaux, le Premier ministre Nadel Albaoui a tenu à rappeler les hautes directives et instructions données par le président de la République. On fait le point avec vous, Chaké Benzaoui, sur l'ordre du jour.
Le gouvernement a tout d'abord examiné 4 projets de décret exécutif présentés par le ministre de la Justice. Il s'agit des projets de texte portant sur la composition, l'organisation, le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées et la procédure de gel ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention de la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Autre projet de décret exécutif s'inscrivant dans le cadre de l'élaboration des textes d'application de la loi fixant les conditions d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État destiné à la réalisation de projets d'investissement, ainsi que le projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de concession. Puis, c'était au tour du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques pour présenter une communication sur le bilan de la mise en œuvre de la décision du président de la République relative à l'indemnisation et à l'octroi d'une allocation exceptionnelle au profit des pêcheurs sinistrés suite aux intempéries enregistrées dans la wilaya de Tipaza. Enfin, le Premier ministre Nader Arbaoui, lors de cette réunion hebdomadaire, a rappelé les hautes directives et instructions du président de la République et l'impératif pour le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des décisions du dernier Conseil des ministres, en particulier celles à caractère social, conformément aux directives et instructions données par le chef de l'État. Le Premier ministre a souligné la nécessité d'intensifier les efforts en mettant l'accent sur l'importance fondamentale de la coordination entre les différents secteurs. Et ce caractère social est contenu et préservé dans les dispositions de la loi de finances 2024, notamment pour la gratuité des soins. Le secteur de la santé se voit attribuer un budget important de près de 1000 milliards de dinars. Un budget conséquent, mais il faut qu'il soit bien géré. Selon Dr Salah Lahouar du syndicat des médecins généralistes, il était l'invité de Nahla Bekralas dans Forum de la 3. Ce budget est colossal, mais il est nécessaire, il est utile, mais il risque d'être insuffisant parce que nous n'avons pas mené des réformes en profondeur dans le secteur de la santé. On n'arrive pas à ce jour à maîtriser l'outil de gestion, le management. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on continue toujours à fonctionner avec la mentalité de prendre en charge l'aspect curatif des maladies. C'est-à-dire on dépense en équipement pour améliorer le diagnostic, on dépense en médicaments pour traiter les maladies chroniques. Ça a été rappelé que l'espérance de vie a augmenté à 76 ans. Et donc, avec son corollaire des maladies chroniques qui sont inhérentes à ce troisième âge. Vous voulez dire que le budget prévention est beaucoup moins important aujourd'hui ? Il est beaucoup moins important. Nous avons toujours milité que cet argent soit alloué à des programmes de prévention à court, à moyen et à long terme. On rappelle que la loi de finances 2024 sera signée avant la fin de l'année, son entrée en vigueur dès janvier. 19h10 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, au 47e jour de guerre, Gaza retient son souffle. La pause humanitaire annoncée tôt ce matin par le Qatar ravive l'espoir. Tout le monde attend son entrée en vigueur, selon certains médias, probablement demain, dès 8h GMT. La question qui taraude tous les esprits, cette trêve de 4 jours avec possibilité de prolongation pourra-t-elle être respectée par un certain Netanyahou qui a aujourd'hui encore perpétré de nouveaux massacres? La question est posée à Hassan El-Belhaoui, le premier conseiller à l'ambassade de Palestine à Bruxelles. Pour Netanyahou, il n'a pas le choix, il est obligé parce qu'il y a une tempête au sein de l'opinion publique israélienne, notamment la famille des otages, et aussi les critiques du monde entier, y compris aussi de la part de l'administration américaine, qui tous pressent Netanyahou à avoir des pauses humanitaires. On espère que cette pause humanitaire va conduire à un véritable cessez-le-feu, un cessez-le-feu définitif, de façon à ce que les crimes perpétués par le gouvernement israélien s'arrêtent, surtout où on a de plus en plus un chiffre de victimes qui s'alourdit, plus de 14 000. Malheureusement, on n'arrive plus à tenir les chiffres parce que c'est toutes les heures, voire toutes les minutes, le chiffre augmente. Ce qui nous importe, bien sûr, ce qui se passe, c'est un élément important, la nation palestinienne, le président Mahmoud Abbas a salué cet accord. Et nous regardons vers un cessez-le-feu définitif. La Mahmoud Abbas ne veut pas voir se répéter ce qui se passait à cet octobre. Il faut s'attaquer au racisme. Le racisme, ce n'est pas très compliqué, c'est l'occupation qui viole le territoire palestinien et qui viole le droit international depuis des décennies.
Et on rappelle que la trêve prévoit la cessation des bombardements, l'ouverture des passages et l'entrée de l'aide humanitaire et bien entendu un échange limité de prisonniers civils, y compris des femmes et des enfants des deux parties, et ce par étapes. Mais les Palestiniens savent pertinemment qu'avant chaque trêve, il y a recrudescence des scénarios déjà vécus par le passé, selon Wa'il Iyed, il est journaliste à Gaza, contacté par Karima Ben Nour. اعتذر الشعب الغزي أن الساعات الأخيرة قبل إعلان أي هدنة وقف إطلاق النار هو مثابة ساعات مصيرية جدا. Le peuple palestinien s'est habitué. Déjà aux dernières heures précédant une trêve, l'occupant sioniste lance un maximum de missiles sur Gaza et commet de nombreux massacres. Aujourd'hui, l'armée sioniste a ciblé plusieurs parties de Gaza censées être les plus sécurisées du côté de Khan Younes et du côté de Rafah. Encore de nombreux martyrs et blessés parmi les civils. Aujourd'hui, le porte-parole du ministère de la Santé a reconnu devant la presse ne plus être en mesure de fournir des bilans chiffrés des nouveaux martyrs et blessés. L'on est face à une véritable épuration ethnique, estime Hassan Belaoui. En clair, c'est une épuration ethnique. En clair, c'est une deuxième Nakba. C'est ça l'objectif fondamental du gouvernement israélien tout au long de cette guerre. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à Gaza, mais ils sont en train de préparer le terrain en Cisjordanie. On est en train de le voir. Bien qu'aujourd'hui, il y a 6 martyrs qui sont tombés à Tul Karim. Et vous avez plus de 7 octobre, vous avez presque 230 martyrs palestiniens qui sont descendus en martyrs en Cisjordanie, sans parler de ce qui était en train de se faire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, les différents gouvernements successifs israéliens ne cessent pas de tuer tous les jours un Palestinien. En fait, ça bombarde à Gaza, mais l'objectif, il est aussi en Cisjordanie. Hassan Belaoui, premier conseiller à l'ambassade de Palestine à Bruxelles, interviewé cet après-midi. Quand vous venez de l'écouter, la Cisjordanie, autre objectif en effet, les camps de réfugiés comme celui de Jenin est constamment attaqué et détruit. Le témoignage de Nadjet Abouroutna. Tout est cassé et en plus la pluie les 2 derniers jours. Imaginez un camp de réfugiés qui a une population de plus de 18 000 habitants, qui vivent dans une surface de moins de 0,48 km². Imaginez la ville, une voiture ne peut pas circuler ou passer. Avant-hier, ils ont détruit toutes les routes parce qu'on a beaucoup d'entrées. Ils les ont tous détruits afin que les gens ne puissent pas ni sortir ni rentrer dans le camp. Alors imaginez, les Israéliens commettent des crimes en Cisjordanie, à Tul Karim, hier 5, avant-hier 6. Alors imaginez des nombres de jeunes tués, des martyrs tués dans à Tul Karim, à Naplouz, au camp de Walata. Et compte réfugiés de Jenin. Et l'hôpital Shifa, qui a résisté tout ce temps à la pression de l'armée sioniste, a fini par faire évacuer des malades ce matin, notamment des blessés graves qui peuvent succomber en route lors de leur transport. Et ça ne semble pas pour autant préoccuper les instances internationales. Mais un collectif d'ONG est créé d'urgence pour alerter justement sur cette situation tragique, inédite. Raphaël Pitti, spécialiste de la médecine de guerre, responsable à l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Nous avons créé ce collectif pour essayer d'alerter l'opinion publique internationale sur la situation qui est faite aux ONG, c'est-à-dire dans l'impossibilité de pénétrer à l'intérieur de Gaza pour pouvoir apporter son assistance à la population palestinienne qui vit une situation de catastrophe terrible qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Et même ce collectif d'ONG qui s'est créé est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est dire combien la situation est grave et qu'elle nous a amené justement à nous réunir ensemble pour défendre le droit humanitaire en particulier. L'occupation sioniste doit répondre de ses actes jugés et soumises aux sanctions économiques et politiques. Mais auparavant, un véritable cessez-le-feu est nécessaire et non une simple trêve. Raphaël Pitti. Il est absolument pressant d'avoir un cessez-le-feu immédiat, non pas une pause, non pas une trêve, mais véritablement un cessez-le-feu immédiat qui permette d'approvisionner cette population, de la mettre dans des zones de sécurité pour pouvoir assurer sa prise en charge et sa protection. Ça veut dire qu'il faut exiger d'Israël le respect des droits humanitaires internationaux, mais il faut se donner en même temps les moyens d'obtenir d'Israël de respecter le droit humanitaire international. Nous avons demandé à ce qu'éventuellement il y ait un rappel des ambassadeurs
occidentaux qui sont accrédités en Israël, de les faire rentrer dans leur pays, de les rappeler. Première démarche, et puis peut-être il y a d'autres façons de faire aussi. Si on voulait se donner les moyens, ce serait un embargo sur les armes à destination d'Israël, et peut-être aussi un gel des avoirs, en tous les cas des sanctions économiques. Et quelle autre suite pénale envisager? Mariam Abdou a posé la question à Chantal Meloni, elle est avocate pénaliste italienne, spécialiste du droit pénal international. Il est clair que le droit international humanitaire qui réglemente les conflits armés n'a pas été respecté au cours des dernières semaines. Lors des attaques à Gaza, le droit international humanitaire a été violé de manière différente, à commencer par le fait qu'une population civile entière, soit 2,3 millions de personnes, la population civile de Gaza, a été collectivement punie d'une manière absolument contraire, non seulement au droit international humanitaire, mais aussi une atteinte aux droits de l'homme. Aujourd'hui, le procureur de la Cour pénale internationale a reçu le collectif d'avocats ONG et sociétés civiles, lesquels ont déposé plainte il y a quelques jours contre l'entité sioniste criminelle. Et une autre plainte a également été déposée à la Cour pénale internationale, cette fois par les journalistes. 62 ont été tués. Son secrétaire général évoque des discussions en ce moment pour créer des refuges aux journalistes à Gaza. La réunion ministérielle des pays de l'Alliance OPEP+, initialement prévue pour ce dimanche à Vienne, a été reprogrammée. Elle aura lieu le 30 novembre. Les 13 pays membres de l'organisation et leurs 10 partenaires doivent décider de leur prochain objectif de production face à des prix du brut en berne. Et juste après ce report annoncé, les cours ont brièvement dévissé de plus de 5%. Des fortes précipitations s'abattent sur plusieurs villages du centre et est du pays depuis hier et ça va s'accentuer les prochaines heures. L'alerte météo a été prolongée jusqu'à demain soir. D'importants cumuls sont déjà enregistrés avec les premiers flocons de neige d'avant la saison hivernale. Quelques désagréments toutefois sur les routes, mais retour à la normale selon la gendarmerie nationale. La protection civile a eu aussi beaucoup à faire depuis hier. Ces équipes restent d'ailleurs mobilisées à travers toutes les wilayas puisque le BMS a été prolongé. On écoute à ce propos le capitaine Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la protection civile. Les opérations de dépouillement des eaux pluviales qui se sont infiltrées à travers quelques habitations et quelques édifices publics. Au niveau de Bijaya à la commune de Dergina, épuisement des eaux pluviales stagnées dans une habitation. Et aussi, on a eu épuisement des eaux pluviales à l'intérieur d'un SIUM à la commune de Bijaya. Et on a enregistré un glissement au terrain, le chemin communal au lieu dit Tizi Ahmed. La circulation a été rétablie. Et au niveau de la wilaya de Djidjil à Djimila, on a enregistré l'effondrement partiel d'un mur d'extérieur d'un SUM au niveau de la commune de Djimila. Et à Skikda, tôt ce matin, nos secours ont procédé au niveau de la commune de Skikda à effectuer des opérations d'épuisement des eaux à proximité de la cité Merj Adib. Il y a eu aussi à Hay Hamrouch dans la commune de Hamadi Kroma la même opération. Et il y a eu le secours d'une femme victime d'une chute dans une fosse des eaux pluviales au niveau de cité Bouali, commune de Skikda, la femme a été secourue et évacuée. La pluie et les premiers flocons de neige annonciateurs d'un week-end frileux à Tizi Ouzou, Bura et Sétif notamment. D'autres régions seront probablement touchées, on le verra dans la page météo avec Elima Benoul. Ça sera juste après le sport avec vous, Fethi Bendali. On va parler handball, dames, le HBC Albiar qualifié pour la finale du championnat arabe des clubs féminins. Les handballeuses algériennes du HBC Albiar se sont qualifiées pour la finale donc du championnat arabe des clubs féminins qui se déroule à Mehdia en Tunisie en battant ce mercredi leur homologue saoudienne d'El Ahli sur le score de 34 à 21. Les Albiaroises qui ont construit leur succès dès la première mi-temps 16 à 12 affronteront en finale ce vendredi à 16h le club africain vainqueur de l'autre club tunisien dans la deuxième demi-finale. Regis. Et justement, on va écouter sur cette victoire et cette qualification pour la finale de ce championnat arabe, la handballeuse du HBC Albiar, Serine Yelles. Elle est contactée par Lotfi Benidir. Alhamdoulilah, victoire contre l'équipe de Saoudi en demi-finale qui nous permet de nous qualifier en finale de cette Coupe arabe. Premier objectif atteint qui était d'atteindre la finale. Déjà, ça nous fait un pas de plus vers nos objectifs qui sont de remporter cette Coupe. Pour la finale, on affrontera le club africain, une équipe qu'on a déjà rencontrée en match de poule.
Voilà, en match de poule, ils les avaient affrontés. C'est le club africain qui était sorti vainqueur. Bonne chance donc pour nos handballeuses en match de classement pour la 5e et 8e place. Les deux autres clubs algériens présents à cette compétition, le CF Boumerdès et le RC Sétif, ont également été victorieux en dominant respectivement leur homologue irakien de Kirouk et à 37-25, excusez-moi, et d'Erbil 26-22. Le CF Boumerdès et le RC Sétif en découdront pour le match de classement de la 5e à la 6e place. Une info qui vient de tomber, plus de 400 000 même nouveaux billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, prévus du 26 juillet au 11 août de l'année prochaine, vont être mis en vente à partir du 30 novembre, alors que 7,7 millions de billets ont d'ores et déjà été vendus. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs aujourd'hui. Une dernière information sport, si vous le voulez bien. Des nouvelles de notre attaquant Islem Slimani qui s'était blessé face au Mozambique lors du dernier match. Il était sorti au bout d'un quart d'heure de jeu. Il sera absent des terrains pendant 2 semaines et il ratera les 2 prochains matchs de son club. Prompt rétablissement à Slimani. 19h23 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubali. Bonne soirée à tous.